Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'ouvre vos cadeaux. Et cette fois-ci c'est une vidéo, moi j'adore ce genre de vidéo avec les sortes de tirages. On va directement aller dans les cadeaux. Alors le principe est simple, en fait on a 6 cadeaux par page. Sur chaque page j'ouvrirai un cadeau. Mais attention, lequel? Mais serait-ce le cadeau de Sarah, d'Inas? Ou de Bouang? Ou d'Anna Seva, ou de Miss Renoir, ou de Miss Renoir encore une fois. Enfin bref, bon, je pense que je fais genre durer le suspense, mais en vrai, vous avez déjà vu la miniature et le titre. Je ne sais pas encore ce que je mettrai, mais ce sera évident. Et merci à Loli Choups pour la salutation, merci beaucoup, je te fais un très gros bisou. Merci énormément ma belle pour la salutation, merci merci. Et nous sommes sur le site de tirage, donc tirer un nombre aléatoire. J'ai mis entre 1 et 6 parce qu'il y a 6 cadeaux par page. Et on va lancer et ça me donne un 5. Donc ce sera du coup le cadeau numéro 5 qui est celui de Miss Renoir. Et voilà comment va se passer ce petit j'ouvre vos cadeaux. En tout cas moi je trouve ça super original. Donc c'était une idée de plusieurs personnes. Donc je ne saurais plus c'est qui la première personne qui a donné cette idée. Je pense que c'était suite à une de mes vidéos défi look aléatoire qu'une personne m'avait proposé de faire la même chose mais avec les cadeaux. Enfin bref, on va lancer du coup cette fois-ci, c'est le 4 de Miss Alex. Et on ouvre les cadeaux. Ouh, c'est sympa, on dirait Lady Gaga. Gaga. Je me permets parce que ça va, ma voix elle est revenue, donc c'est un 5 sur la prochaine page. Donc moi j'ai tiré avant même d'aller sur l'autre page, lol. Mais ça va mon look, on dirait vraiment Lady Gaga. Et merci à tout le monde pour les cadeaux. Hein. Bon, au moins là, c'est jaune citron. Hein. Peu importe quel cadeau j'ouvrais, c'était celui de la même personne. Hein. Oh, en plus, ce look, ça passe. Ça passe, le look. Deux. Oh, merci encore, Loli. Merci beaucoup. Il va falloir quand même que je lui envoie un petit message après la vidéo pour la remercier. Donc merci beaucoup à toi Loli Chou, je te refais un très très gros bisou, merci encore une fois pour la salutation, c'est super gentil, merci. Merci beaucoup. Et attendez, parce que là j'avais tiré le nombre 2, d'accord. On ouvre du coup encore celui de jaune citron. Et franchement ça aurait pu faire un look si j'ouvrais tous ces cadeaux à jaune citron limite, hein, je pense. Hein. Il y aurait moyen de faire un look. Mais là, ça passe encore, même avec ça. Bon, ça fait un peu bizarre au niveau d'ici, hein, mais ça passe. Hein. Ensuite, on tire un 5. Et c'est un cadeau de Rina. Non, franchement, en plus, j'essaierai de penser de vous remettre le lien du tirage dans la description pour les personnes qui ont envie de se faire un même délire que moi. Il n'y a pas de souci. Mais au cas où, c'est tout simplement vous marquer Tirogdo. Tiroc cadeau. Tiro cadeau, ouais, en gros, pourquoi je dis Tiroc à chaque fois? Tiro cadeau. J'avais moi ce que j'ai tout simplement marqué, c'est tirage au sort chiffre et c'est le premier site. Hein, donc voilà. Si j'oublie de mettre le lien comme d'habitude, j'oublie tout le temps les liens. Hein, j'ai un problème avec les liens. Et ça fait un petit pull. Non, franchement, le look il passe. Hein. Il passe crème là. Hein. Et là, c'est de nouveau un 1. Et c'est un bas. Écoutez, mon look est franchement... bon, je veux pas trop... voilà, mais il est bien. Il est bien, le look. Comparé à ce qu'on a d'habitude quand on ouvre les cadeaux. Franchement, ça va. Oh, nice. Une jolie couronne. I am the queen. Kinzel. 5. Ok. C'est un cadeau bien jaune, ici. Que l'on ouvre. Oh. On dirait limite on pourrait faire un mème avec ses boucles d'oreilles. Lol. Ensuite c'est le 1. Hop. Et c'est un short. Hop ici. Et c'est encore le 1. Qu'est-ce que ça donne? Un joli petit cadeau rose. Un joli petit pull. Et on tire. Et c'est le 2. Donc ici, le cadeau de chouchou. D'ailleurs, c'était un cadeau de chouchou aussi, non? En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour les cadeaux. Hein. Merci, merci. Vous êtes trop gentils. Et encore une fois, comme je dis souvent dans mes derniers j'ouvre vos cadeaux, si vous ne vous sentez pas obligé de m'envoyer un cadeau,
J'ai déjà beaucoup de cadeaux à ouvrir que j'ai pas encore ouvert. Donc voilà, mais merci beaucoup, vraiment. Je fais de très gros bisous à tout le monde. Merci, merci. Vous êtes trop gentils. Et malgré le fait qu'il soit même pas midi, je lag déjà. C'est ouf. C'est ouf comment je lag déjà. Ensuite, on relance. Donc c'est le 2. Kinsel, accepte-moi. Alors voilà, pour toutes les personnes qui veulent que je les accepte en amis, alors on va en parler rapidement. Ce que je fais maintenant, c'est il faut d'abord que je fasse un tri. En gros, il faut que je fasse un énorme tri de mes amis, encore une fois, parce que là, je lag trop. Je sais que c'est 3500 le max, mais si je vous accepte, déjà que j'ai du mal à faire des vidéos, même le matin, vous voyez, donc c'est compliqué. Mais ce que je vais faire prochainement, c'est que au moment où je vous réaccepterai en ami, cette fois-ci, je ne regarderai plus les niveaux. Oh, c'est trop beau cette coupe, merci. Elle est trop chou. En plus, elle est full rose, elle aussi. Ça se voit, elle kiffe le rose, en vrai. Et là, c'est encore un 5. Et ce que je fais, c'est que je ne regarderai plus le niveau. Ce ne sera plus par rapport au niveau, mais par rapport à la personne, si je l'ai déjà vue plusieurs fois sur mon live, si je vois qu'elle m'a quand même un petit peu aidée. Parce que voilà, j'ai accepté en ami des gens avec qui, finalement, je n'ai jamais rien échangé, jamais rien, voilà. Que tu vois, limite, il serait ou pas dans mes amis, ça ne changerait rien finalement. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y a des personnes qui voudraient être dans mes amis, qui sont super actifs et au final, je les accepte pas parce que soit ils ont pas niveau ou soit c'est parce que moi qui n'ai plus la place. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez également de mon nouveau système que je mettrai en place après avoir fait le tri par rapport aux amis, s'il convient mieux ou pas. Parce que c'est vrai qu'au niveau. Pas pour les niveaux, d'un côté, je pense que peut-être je garderai les niveaux, mais un peu plus petits, genre niveau 10. Parce que, ouais, reste le problème des deleted users. J'ai pas mal de deleted users dans ma liste d'amis. Des personnes que j'avais acceptées quand il n'y avait pas de limite de niveau. Et souvent, c'était des personnes qui étaient en dessous du niveau 10, entre le niveau 10 et le niveau 0. Des gens qui ont deleted. Malheureusement, je ne sais pas comment fonctionne Movistar Planet. Au bout de combien de temps le deleted user s'enlève de ma liste de contacts. Mais malheureusement, ça prend des places aussi. Et ces chaussures, je les trouve trop belles. Et on tire au prochain. C'est le cadeau numéro 3. En tout cas, moi, j'aime bien. J'aime bien. Tout ce qui est tirage comme ça, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de jouer au loto un petit peu des fois. Mais j'adore. Super. Ah, mais c'est pas la... C'est pas la robe du pack du mois dernier, ça? Je sais plus. Bon, en tout cas, ça y ressemble. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Aidez-moi. Ok, page 4. Enfin, page 4. Pas page 4, mais cadeau 4. Numéro 4 de la page, plutôt. Ce serait un petit peu plus... Voilà. A Shadow Dancer. Et on tire, et c'est le numéro 1. Donc franchement, ouais, si vous voulez, vous pouvez reproduire la même chose. D'ailleurs, si vous aimez... Oh, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez reproduire, vous pouvez faire un truc marrant également avec le site de tirage au sort. Eh bien, allez voir, je crois que j'avais fait deux vidéos là-dessus, c'est le défi look aléatoire. Et en fait, le principe est de faire la même chose, mais avec ses propres habits et se créer un look avec justement le tirage au sort des chiffres. Et franchement, j'ai fait un look, il était... Bon, il passait, hein. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais il était pas mal. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du défi look aléatoire. D'ailleurs, si vous voulez, j'en referai une parce que moi j'aime bien faire ça. J'aime bien. Je trouve ça. Jouer avec le hasard comme ça, j'aime bien. Et là, le numéro 1, on ouvre le cadeau. Ouais, ça part. C'est la robe du pack, non, ça? On est d'accord. Non, je sais pas, mais la robe là, elle me parle de trop. Non, je crois que je l'avais déjà reçue une fois sur Madame Toilette, je la trouvais trop jolie. Mais je sais plus, c'est... Ouais, je sais plus. Dites-moi également, hein, parce que moi, je suis nulle. Hein. Et là, c'est encore un 1. Et on ouvre celui-ci. Le premier cadeau, le number 1. Et le temps que ça s'ouvre, on va tirer pour le prochain. Et c'est encore un 1. Bon, ça tombe bien, ça va trop bien avec le sac, avec la robe. Ça va trop bien avec. Et là, encore un cadeau mauve. Hop, un pantalon. Bon, c'est déjà mieux parce qu'au moins ça a fait enlever la jupe. Et celui-ci, on ne le voit pas. Et on tire cette fois-ci. C'est un 4 sur la prochaine page. Et on ouvre du coup le cadeau de Seren.
Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça, c'est l'animation avec la limousine. C'est une animation un peu contre nature. Ici, c'est. Oups. C'est un petit peu contre nature parce que finalement, quand vous êtes dans une salle de chat, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui utilisent cette animation. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais vous pouvez, pour je crois, je sais pas combien de Star Coins. C'était combien? Non, c'est des diamants, je sais pas quoi faire apparaître. Une limousine qui donne des Star Coins à tout le monde. Et du coup, ben, il y a des gens qui pensent en faisant l'animation et d'autres gens qui pensent qu'ils vont recevoir des Star Coins alors que pas du tout. Alors là, c'est le numéro 2 et j'ai le chien qui est en train d'ouvrir la porte. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser. Je vais aller m'occuper. Next! Arrête d'ouvrir les portes! Tu n'es pas un humain! Next, il se croit vraiment pour un humain. Il sait ouvrir des portes. Du coup, moi là, je l'avais mis dans le salon parce que Next, il a fait une bêtise. Oh, t'as fait une bêtise! T'as fait une bêtise, hein? T'as voulu manger ta brosse, hein? Ta brosse, tu loup. Tes propres affaires, tu veux manger. Du coup, je l'avais mis dans le salon parce qu'il avait fait une bêtise. Et bah du coup, voilà. Il a ouvert la porte, il est venu. Allez, dernier petit cadeau et puis on arrêtera la vidéo. Voilà, dernier Team Citron en plus. Merci à toi, Léonie. Merci à tout le monde pour les cadeaux. Et sur ce, moi, je vais pouvoir vous laisser sur ce cadeau de Pâques encore, hein. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao. Stand here.